Bonjour tout le monde. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû remarquer que depuis plusieurs semaines, je vous parle de l'ouverture d'un Carrefour Market dans le quartier du Ray, dans Nice, Nord. Donc ça y est, il est ouvert depuis, le 2 février. Nous avons eu droit à une visite privée. J'ai voulu retourner pour faire mon expérience client, donc incognito. Pour voir un peu si le personnel était toujours aussi aimable. Donc, petite visite. Je ne vais pas vous faire un retour de course avec vous déballer tout ce que j'ai acheté, mais les choses les plus innovantes, on va dire. Donc, quand on arrive là-bas, on entre dans une petite galerie. Dans laquelle vous trouverez un cordonnier, un opticien, un coiffeur, et ensuite vous entrez dans Carrefour. Et tout de suite à gauche, vous avez le rayon cuisine. Vous pouvez composer vous-même vos petits plats, et puis vous avez les plats classiques à emporter. Vous avez aussi des pizzas à cuire que vous emportez prêtes à cuire ou déjà cuites. À droite, vous voyez la serre. Je signale qu'il y a des arrivages tous les jours, c'est très très frais. À l'intérieur de la serre, vous avez tous les fruits et légumes qui supportent d'être un peu plus au frais. Et tout autour de la serre, vous avez les oranges, les bananes, etc. Je bois beaucoup de jus de carotte et j'alterne le bio et la filière qualité. J'ai pris des bananes bio et c'est là que le concept est très intéressant parce qu'il y a des balances sur lesquelles vous pesez vos contenants personnels ou le sac en craft fourni par le magasin. Donc les pommes, ça a été pareil. Et donc j'ai pesé mon contenant. Donc je ne paye que le produit. La tare est faite. Je vais chercher mes fruits où je ne fais pas la tare. Et si j'ai pas beaucoup de fruits, je peux les peser comme ça et les mettre après dans mon sac personnel. Mais si je fais une tare, je pèse mon contenant. Il y a une petite étiquette. Je la mets là. Quand je pèse avec ce que j'ai pris, je scanne ce code-barre là et ici, je n'ai que le poids du produit. Après, vous arrivez sur le rayon de la boucherie traditionnelle. Les bouchers travaillent devant vous, ils ne travaillent pas dans l'arrière-boutique, si je puis dire. Avec des poissons qui sentent la fraîcheur, et vous avez un aquarium avec des tourteaux et des langoustes. Ensuite, vous avez le rayon du fromager. Ici, ce n'est que du fromage à la coupe.
Alors, nous avons un rayon important d'Italie, bah, par hasard, hein, nous sommes tout près de l'Italie. Et là, vous avez un rayon, mais vraiment avec énormément de produits italiens. Après, on arrive au rayon bio. Vous trouvez, c'est un énorme rayon aussi. Vous trouvez les marques bio traditionnelles et puis les marques Carrefour. Moi, je prends de la boisson amande. C'est quand même un peu moins cher que le classique, genre ou autre. Mais vous le trouvez aussi. Arrivons aux produits locaux. Nous sommes un peu chauvins, mais on a beaucoup de produits locaux. Et nous avons aussi des bières. Celle-ci vient de Cagnes-sur-Mer, mais bientôt ils auront à nouveau la bière du comté. Vous savez qu'avec la tempête, la brasserie a été, mais alors totalement rasée. Et là, ils sont en train de rebrasser à nouveau. Un rayon important de café et pour les amateurs, Starbucks. Une superbe cave à vin. Vous avez de tout. Un rayon très intéressant et innovant, c'est la pâte à tartiner à préparer soi-même. C'est-à-dire qu'il y a différents toppings que vous pouvez, avec des distributeurs, que vous pouvez agrémenter votre pâte à tartiner. Je ne vous fais pas la démo parce que moi, je ne prends pas de pâte à tartiner, mais j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Et juste à côté, eh bien, vous avez le vrac. Alors, il y a du bio et du pas bio. Et vous pouvez trouver dans ce rayon-là ces petits sacs transparents qui sont réutilisables. D'ailleurs, le riz, c'est un sachet que j'ai réutilisé, que j'avais eu la première fois dans le magasin. Une belle innovation aussi au niveau de la vaisselle. Thank you.
petit rayon d'essentiel, je vais dire. Il y a quelques petits vêtements pour les enfants et puis des chaussons, etc. Bien entendu, vous avez toutes sortes de rayons classiques, et ça, je ne vous les présente pas. Je vous ai montré que ces innovations qui vous donneront, j'espère, envie de découvrir ce nouveau concept et ce nouveau Carrefour Market du quartier Le Ray, à l'arrêt de tram Le Ray. Je ne vous ai pas parlé de la livraison. C'est une livraison décarbonisée qui se fait par vélo. Et puis vous avez un service drive qui est ouvert, ça y est. Vous avez un parking avec 2 heures gratuites. À tout bientôt !